Toi, à la maison, le déjeuner, est-ce que tu fais ça avec ces belles crotonnades? On essaye ça cette semaine. Commentez, likez, partagez. Pendant ce temps-là, nous autres, on teste! On en a plusieurs sortes. Il y en a qu'on a laissé tomber dans les bio qui coûtaient très cher. On s'est dit, on va y aller dans le plus régulier, plus conventionnel. On a vérifié. Ils sont tous faits avec du porc. Donc, c'est vraiment des crotons original québécois, de la grand-mère, puis de bio, puis de la fleur, puis de paysan, puis de... La Gaspésie! Oui, parce qu'Éric, tu as fait une recherche sur le croton. Oui, on vient de tout divulguer, qu'est-ce qu'on sait. Voilà. Le reste, ce sera improvisé, comme d'habitude. Fait qu'on commence le premier test avec la fleur. Y a-tu quelque chose de spécial, la fleur, à part que c'est 200 grammes puis que c'est du classique? Ah, ben, ça sent bon en partant. C'est fade. Il est fade, ouais. Pas trop, ben... Mais il est à son image. Il est pas, tu sais... Il n'y a pas beaucoup de sel, on va lui donner ça, il n'est pas trop salé. Il n'y a pas bien d'épices en fait. Mais il y a un peu d'ail en poudre, mais on goûte pas les épices. On sent la petite texture très blendée. Il n'y a pas de moton de viande. C'est très pablomiche. La fleur, pas impressionnée à date. C'est le premier. C'est le premier, il faut dire, on est toujours plus difficile avec le premier. Lui? Ton choix. Gaspésienne. Chacun son tour. On y va avec la Gaspésienne. J'ai jamais vu ça en épicerie. Non plus. Est-ce que ça vient d'un épicerie en particulier? Oh. Oh, il m'a tondu. Ah, lui, il a l'air viandé. Je l'ai vu presque partout, celui-là, Eric. Ah, ben tu vois que je cherche pas beaucoup les crotons. Puis en fait, les crotons, je les ai vus partout, toute la gang, à l'exception de celui canard. C'est vraiment la même sélection dans les épiceries. Lui, j'ai bien hâte de voir ça. Mais moi, je suis toujours attiré par les grands-mères. On dirait que c'est le premier que je vois. Fait que c'est comme je sais que je l'aime, je vais vers lui. Toujours attiré vers les grands-mères, Eric. Tout le temps. Ah! Oh! La texture est bonne. Oh! Ah ouais, on voit la viande un peu plus effilochée là, que dans la fleur. On sent qu'il y a du goût à l'odeur. Il y a ça à viande. Il y a ça à viande. Ouais, il y a vraiment de quoi à mâcher. Ah ben ça, c'est une belle découverte, ça. Pas trop salé non plus. C'est quoi les épices? Parce que c'est intéressant. Extrait d'épices. Oignons déshydratés. Ouais. Sel, glutamate monosodique, épices, extrait d'épices. Et du glutamate monosodique. Oui. Ça, c'est le démon. Le démon. OK, ben... moi, ça, j'achèterais bien plus la Gaspésienne que la fleur, le direct en partant. Gaspésienne, première position. Ça tient pas. Ben. Lui, on dirait qu'ils l'ont mis dans un pot de Philadelphie, tu sais, de fromage à la crème. Je suis intéressé, moi, par le compliment. T'es beau. Ah... T'es fin. Trouves-tu que j'ai des beaux bras? Oui! Eh ben. Avec du beau poil, là. Oui, mais pas partout. Ici, non, il n'y en a pas. T'es en train de faire le tour. C'est le seul que j'ai trouvé de marque maison, d'ailleurs, Eric. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des maisons qui se font des marques de crotons. En fait, il y en a des maisons. J'en ai trouvé qui font des crotons maison vendus à la boucherie. On a décidé d'exclure les marques maison faites en boucherie d'épicerie. Ouais, donc que des trucs en poté. C'est-à-dire dans un pot. Empoté. Pas comme Marc, là. Empoté. Quoi? C'est tout le temps comme plus pâle sur le dessus, puis la petite viande est comme un... Rosé. Un peu plus rosé à l'intérieur. Donc, ça sent bon, ça. Ça sent bon, mais... Santé. Ça me plaît bien. Tu vois, là, je trouve qu'il manque de sel comparé à Gaspésienne. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas les mêmes épices. Hein. Ouais. Mais niveau texture, il ressemble légèrement à la Gaspésienne. Niveau épices, un peu plus la fleur qui est un peu plus fade. Mais bonne texture. Ouais. Tu sais, c'est pas trop mélangé, trop écrasé. La viande, on la sent quand même, mais pas trop. Ça doit bien s'étendre sur un petit craquelin. Tu ressens bien le corps gras aussi. Tu sais, j'ai remarqué que la fleur était vraiment comme plus sec, mais quand même avec un espèce de gras. Gaspésienne, lui, il était vraiment plus sec. Tu ressentais pas nécessairement... Le gras de la viande. Lui, tu ressens vraiment le gras de la viande. Tu croques pas dans le gras dans celle-là. Ouais. Mais il est bien balancé aussi. Pour une marque maison, quand même, bien joué. Puis il n'y a pas trop d'ingrédients aussi. C'est le fun. Il n'y a pas des affaires avec plus de consonnes que de voyelles. If you know what I mean. OK, compliment. Je mettrais entre les deux, moi. Entre la fleur et la Gaspésienne. C'est quand même... D'accord là-dessus, mon gars. All right. On a du croton Biopage. Biopage. C'est même pas de jeu de mots à faire. Mais on voit qu'ils ont mis de l'ail dessus parce qu'ils l'ont dessiné. Eux autres, il y a un petit cerne de gras tout le tour. Ça veut dire qu'il devrait être assez chargé. C'est le goût. OK. Venez me voir. J'ai du goût. Non. On continue avec Biopage. Avec le petit gras. Puis tout. Oh, il est plus dur, lui. Hey, attention pour pas péter ta fourchette. Ok. Ok. On va essayer de m'en prendre aussi. Le micro! J'ai réussi! Bravo! Qu'est-ce que ça sent? Oh! Y a-tu juste du porc là-dedans? On dirait. Ah, ils ont bien assaisonné celle-là. Au nez, ben plaisant! Oh, c'est plus dur. C'est sec, mais quand même gras. Ça se contredit, mais c'est ça. Ouais. Ça, là, ça détruit ta toast quand tu le beurres dessus. Ah oui, oui, tu te ramasses avec des trous dans ta toast. Ouais, il est plus dur. Mais je m'attendais à pogner des grosses variantes de sel. C'est quand même à date, là, tu sais, ça se maintient quand même. Ouais. C'est pas, pas tant salé. Oui, c'est salé, là, mais c'est pas... Tu sais, t'as pas un... Ouais, t'as pas... Ouais, t'as pas frappé... clash de sodium, là. T'as pas frappé dans le dash. Ouais. Mais je pense que la Gaspésienne a encore la panne. Mais ça c'est un bon... Il ressemble à la Gaspésienne. Tu sais, au niveau de la texture et tout. Mais plus sec. Fait que j'enlèverais des points pour... Fait que je le mettrais autour de la deuxième position, moi. Attendons, mais... J'attends. Serait-ce un cas, la moutarde fait toute la différence? Peut-être. Peut-être que c'est un cas de moutarde. Prendre en considération que j'aime pas beaucoup la moutarde. Comment ça, t'aimes pas la moutarde, sacrilège? Sauf c'est toast au beurre de pinot. Ah ouais, là c'est bon. Ah ouais, c'est craton. Cheers. J'aime beaucoup de moutarde. Mais... Ah, ça se marie bien avec la moutarde. On rit, hein, mais... On rit même pas. Il fait une sacrée différence pour... Ouais, mais ça aussi, deuxième belle découverte. Mais... Moi, je laisserais la Gaspésienne quand même à une petite longueur d'avance. Tu sais, moi, je ferais genre un... Ouais, c'est ça, il est comme en avant du compliment. J'aime ça comment tu places ta pyramide de créton. C'est bien, hein? Bien passé, ça. Ouais. On poursuit notre tresse de croton avec la grand-mère. Norel? Norel. Norel, croton grand-mère. Croton grand-mère. C'est les classiques. Moi, c'est celui-là que je connais le plus. C'est celui-là que je connais le plus. Moi, je connais pas. Ça, là... Ça... C'est dangereux. Les peaux sont petits. Ah, oh, puis il est mou, il est tendre. J'ai déjà un parti pris. Ah! Oh. Ah ouais. Ça sent ce que... Pour moi, c'est ça, un croton. À défaut d'avoir une grand-maman qui m'en fait pour vrai. Bonne app. OK. Tu sais, il y a des motons de viande, mais ça reste tendre. Vraiment. C'est carrément un croton maison. Là. Ah ouais, ça c'est... Les crotons de ma mère sont comme ça. Là. Moi, c'est mon préféré, pour vrai. Ben, moi... Ah ouais? Ah, bon, la embarqué rien qu'à cause que ça ressemble au croton de ma mère. Ah, tellement. Je suis curieux des deux derniers, là, mais... Celui-là a même une longueur d'avant. Le mix d'épices est génial. C'est juste assez salé, je trouve. Juste assez gras, assez mou, assez sec en même temps. Je veux dire, dans le sens qu'on sent les motons de viande. C'est parfait. Paysan. Bien, en paquet de 2. Pour les gourmands. Moi, c'est lui que j'achète. Ah non, attends. Au niveau visuel, c'est pas fort. Attends de l'avoir dans la bouche. Mais il soigne un peu. Passe par-dessus. Ok, je vais attendre de l'avoir dans la bouche. Ah, il sent bon. Puis tu sais, il a la même couleur là, du dessus au fond. Il n'y a pas de petit rosé au milieu. Ok, ouais. Mais le mélange d'épices, il est très bien fait. La texture. Ben, la chapelure de blé. Il y en a certains qui en ont, d'autres qui en ont pas. Là, ça le sent très bien, celui-là. Puis il n'y a pas... Il n'y a pas de GMS non plus. Il n'y a pas de glutamate. Il n'y a pas... OK, ouais. Ah ben là, je suis surpris. J'aime ça aussi, le bon chunk de viande, mais pas trop... juste c'est juste au visuel qui est pas très ragoûtant. Là. Mais ça, une fois étendu sur ta toast... Ça paraît plus. Tu verras plus. Tu rajoutes de la moutarde, tu rajoutes... Qu'est-ce que vous mettez, vous autres, sur vos crotons? L'autre, moi, je suis moutarde. Moutarde jaune. Moi, je mange ça direct à la cuillère. Ah, toi, tu m'as rien, tu dirais. Oui, je mets même pas ça sur une taupe. Ben, je me peigne genre, mettons, le 1/4. Là. OK. Puis, je me tâte ça avec mes œufs puis mes petites patates le matin. Avec du bacon. Les petites patates. OK, il en reste un à goûter. C'est le plus funky de la gang. J'ai bien hâte de goûter parce que lui, non seulement, il est au porc, il est au gras de canard. Eric, tu vas trop vite. Quoi? Où est-ce qu'on le positionne? T'as raison. Où est-ce qu'on met ça, le paysan? Je mets ça dans le top 3 facile. Top 3? Ben, moi, lui, tu sais... Oh, je suis d'accord. Le côté maison, là, full pin. Gaspésienne. Gaspésienne, puis lui, son cousin, là. Tu sais, je veux dire, paysan, puis une Gaspésienne, c'est pas loin. Là. Bon, plein de préjugés dans ce que je dis, mais... Ouais, l'angle du pot est révélateur. Fait qu'il en reste juste un pot noir qui est différent de toutes les autres parce qu'il y a du gras de canard. Il est très luisant et il est très foncé comparé aux autres. Ouais. Je sais pas si c'est le gras de canard qui fait que ça change sa couleur, mais il est pas blanchâtre pantoute, il est vraiment brun viande. Là. Ah, puis il sent le piment de Jamaïque. Ouais, mais il sent plus le pâté à viande que les autres. Ouais. Puis dedans, chapelure de blé grillé, sel, ail, épices et gras de canard. Il est quand même dur à sortir du pot. Oh! J'ai peur que ça revole. Yes! Au gras de canard. Mm. Non, ça me plaît moins, ça. C'est fancy, le gras de canard, mais le côté pâté à la viande me plaît pas. C'est pas ça que je cherche dans un croton. Ouais, l'épice de Jamaïque. Mm. Ah, puis il y a d'autres choses. Y a une deuxième vague de goût. Hein? Mais c'est bien gras, par exemple. C'est huilé de gras, là. Il y a du canard mur à mur. C'est pas mon favori non plus. Je jetterais pas ça. Non. Sérieusement, on dirait que je pourrais l'utiliser pour faire un pâte à viande carrément. Ouais. J'ai l'impression que je pourrais acheter genre 3 pots, mettre ça dans une pâte à tarte. Le pâte à viande le plus cher! Oui! Mais ça ferait un pâte à viande extraordinaire, je pense. Mais ça me rappelle que j'aime pas tant les pâtes à viande, il y a ça aussi. T'aimes pas? Moi, ben, faut qu'il y ait du ketchup dedans parce qu'on dirait. Il n'y a pas beaucoup de pâte à viande que j'aime. Yeah. Où placerions-nous ceci? Alors. La poubelle! Et voilà! Vous autres, vous faites quoi avec vos crotons? À part la moutarde, y a-t-il d'autres choses qu'on a manqué comme assaisonnement? Faites-vous vos crotons à la maison toute seule ou achetez-vous du pork chop pour vous faire des pâtés? Vos recettes! On veut avoir vos recettes! Ça fait qu'on veut savoir, c'est quoi, hein? Y a-tu quelque chose que votre grand-mère, que votre mère, y mettent de plus dans les crotons qui fait que c'est comme « Moi, je m'en passerai pas de ceux-là! » On veut savoir ça! Likez, commentez, partagez, parce que nous autres, on teste! Mais non, sérieux. Non, sérieux. Ça, débarrasse.